Écoutez, on commence ce petit vlog avec cette petite tasse. Donc cette journée réserve bien des merveilles. C'est Ayoub qui me l'a offert. Donc on est dimanche, là on est en train de bosser tranquillement tous les deux. Ça fait bien 25 minutes que déjà on est au bureau, il est 9h15. Donc écoutez, on s'est dit qu'on allait faire une matinée assez rapide parce qu'après on part chez ma soeur, donc on voulait quand même travailler un petit peu ce matin. Encore une fois, l'avantage de bosser chez soi, c'est qu'on peut être en pyjama. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour ce vlog, je vous emmène avec nous. Bon, s'il y a du bruit, c'est mes deux petits neveux qui sont derrière. Aidan est arrivé ce matin parce que, comme je vous ai dit, on est invité par Dounia. Voilà, on y va tous ensemble. Et là, en fait, j'ai reçu cette semaine un colis de chez Pomelo. Il y a des nouveautés et il y a surtout un produit que j'aimerais tester. Donc, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Ça, c'est un shampoing sec. Et là, vu que, bah, franchement, pour tout vous dire, j'ai pas le temps de prendre soin de moi au niveau des cheveux, j'ai pas le temps d'aller me laver les cheveux, tout ça. Donc je vais utiliser ce petit shampoing sec. Alors comment il fonctionne? Shampoing sec sans aérosol pour tout type de cheveux, formulé avec de l'argile volcanique et des amidons naturels. Il absorbe l'excès de sébum. Laissez poser 30 secondes, puis secouez l'excès à l'aide de tes mains. Ok. Donc pulvérise doucement sur les racines à une distance de 10 cm. En tout cas, c'est agréable parce que c'est pas comme, vous savez, les bâtisses où ça va de partout quand tu en mets et tu sens l'odeur du shampoing sec. Là, tu sens aucune odeur, hein, vraiment aucune odeur. On était tellement à fond dans le bureau qu'on n'a pas vu l'heure passer. La Youb a sauté sous la douche juste après moi et là, on est un peu dans le speed parce que vu que le couvre-feu aujourd'hui, c'est à 18h. Et bah dans l'idéal, il faudrait qu'on sorte de la maison à 11h30. Voilà, un petit truc rapide, simple et efficace, c'est-à-dire une petite barrette, les cheveux attachés, et puis c'est bon. Bon, on va prendre la voiture de mon père. C'est Ayoub qui va conduire parce que vu qu'on est beaucoup dans la voiture et dans la voiture de mon père, il y a assez de place. Donc comme ça, c'est bien. Les petits sont là. Coucou. Coucou. Vous allez bien? Oui. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, merci. T'as les clés de Amak? D'accord. Coucou tout le monde. J'ai décidé de faire une petite surprise à Emen aujourd'hui. Donc je vais filmer la journée. C'est pas du tout mon truc, donc vous moquez pas. Là, il est 9h. Je sais qu'elle vous dit tout le temps l'heure, donc je vais dire l'heure. Il est 9h du matin. Je parle pas très fort parce qu'il y a mon mari qui dort. Là, je me prépare à aller chez sa sœur. Elle pense qu'elle va juste manger chez sa sœur. Mais en fait, elle va manger, mais on va fêter son anniversaire. Je voulais vous montrer... Attendez, comment on tourne la caméra? Je lui ai fait faire un gâteau d'anniversaire. Il est juste sublime. Hop. Renée fille, du coup je vous reprends un petit peu plus tard. Donc là je suis sur la route. Là je me rends chez la sœur d'Imen. J'y vais plutôt donc, pour l'aider à préparer un petit peu. Et puis pour me cacher quand Imen va arriver, vu que c'est une surprise. J'ai le gâteau avec moi. J'ai aussi une tarte salée que j'ai fait hier soir. Et puis le cadeau, j'ai trop hâte de lui offrir en espérant qu'elle va être contente. Et puis voilà, donc là c'est parti pour à peu près une petite heure de route. Et puis je vous reprends quand j'arrive, à tout à l'heure. Bon du coup je suis bien arrivée chez la sœur d'Imen. Et on va commencer la petite déco. Donc ça c'est la table avant. Elle a aussi fait les grands ballons comme ça. C'est trop joli. Et on va mettre une nappe rose et après on va mettre des petites paillettes comme ça, des petits diamants comme ça. Elle a pris aussi un chemin de table pour mettre au milieu. Et ça sera les bougies pour le gâteau. Donc voilà, je vous montrerai le résultat après. Et voilà du coup, Dounia, je t'ai vu, t'as piqué un truc. Oui. Voilà le résultat. Donc
Pour le moment, on n'a pas mis grand-chose sur la table. On posera après la nourriture. L'excitation commence à monter. On est en train de guetter la fenêtre pour voir quand elle arrive en transparence. J'ai hâte qu'elle arrive. Bon, après, je vais aller me cacher dans la buanderie quand même. Ah, purée, ça y est, ils sont là. Je vais me cacher. Ça y est, je suis cachée. Elle est juste derrière la porte. Oh, je suis trop excitée. Voilà, tout le monde a l'air. Il est grave. Ah, ça a juste c'est lui. Oh, la révolution là. Donc, quand même, ils m'ont préparé une surprise et ils m'ont dit que ça fait 2 semaines qu'ils sont en train de s'organiser pour la petite surprise. Franchement, ça me fait tellement plaisir, j'étais tellement pas prête. En tout cas, ça c'est super joli. C'est gonflé à l'hélium et franchement, je trouve ça trop beau. Bon, écoutez, là ils sont en train de tout préparer. Ici, on a des petites pizzas. Dounia a préparé des briques. Stéphanie a préparé une quiche. On a une salade juste ici. Et c'est sans ça, c'est moi. Crème de régénération cuir chevelu. C'est le masque.
C'est un masque sous la barrière. En fait, cette gamme-là, ça réunit toutes les gammes terrasses. Encore. D'accord, ok. Ouais. Tu peux le mettre. C'est le top. Voilà, c'est ça. Encore. Il y a pas tu peux le mettre direct à la racine. En fait. Ok. Oh. Ah ouais, là j'ai la gamme entière. Oui, c'est ça. Ok, c'est la même gamme. Oui. C'est trois produits là. C'est ça. Sans le produit. Ouais. J'ai ouvert. J'ai ouvert la dernière fois. Ils sont bons. C'est quoi celui-ci? C'est la gamme au caviar, c'est la dernière de chez Kerastase. Non mais là, ce qu'elle a, c'est le shampoing? Ouais, c'est shampoing que je l'ai pas senti. Ah, ils sont super bons. C'est un parfum. On dirait du parfum. Fais sentir mamie. La peau. Moi aussi. C'est bon. Et ça, c'est de la part de Naël avec son argent de poche. Oh, merci. Merci. Donc ça, c'est l'huile... Élixir. Élixir, ouais. Ah, la base. Bah, Ayoub, il va te la piquer. Bah oui, comme toutes les autres, d'ailleurs. Merci Naël. Merci Naël. Merci Naël. Hein. Elle est énervée. T'aimes bien toi aussi, hein. Merci. Ouais. Encore, de rien. Elle est vide la boîte. Encore. Et ça, c'est moi. C'est Elle a toujours été genre soigneuse, tu sais. Oh, c'est trop. Qu'est-ce que t'as écrit? Joyeux anniversaire, ma meilleure amie, 25 ans. Oh. Waouh. Attends. Parfum. Ah ouais, mais toi, tu blagues pas, Steph. C'est trop mignon. Oh, 15 ans d'amitié et encore pour longtemps. Ah, t'as honte. Ma meilleure amie. Waouh. Ah ouais, tu blagues. Hop. Waouh. Wow. Trop trop belle. T'aimes bien? Ah ouais, de ouf. Elles sont trop belles. Merci. Merci beaucoup. Elles sont belles, hein? T'as été gâtée. Peut-être pas avec les chaussettes, hein? Non, mais grave. Mais franchement, elles sont canons. Oui, elles sont belles. Elles sont très très belles. Ah, j'aime trop. En plus, elles sont confortables. C'est vrai. Ah ouais, merci beaucoup. En même temps, Michael Kors, ça intérêt à être confortable. Bah oui. Bon, il est 17h17, on vient de rentrer il y a à peu près 15 minutes, donc on n'est pas dehors la loi, on est rentré avant 18h. Là j'ai appliqué un petit soin sur mes cheveux, donc c'est celui-ci, le Vanilla Boost de la marque Pomelo. En fait, je l'applique une fois par semaine sur toutes mes longueurs avant que je parte prendre ma douche. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser poser pas bien longtemps. Je vous cache pas parce que là je suis en train d'hésiter, soit je fais mon gros ménage, puisque je vous cache pas que je l'ai pas fait cette semaine, donc soit je le fais aujourd'hui ou bien je le fais demain lundi. Mais bon, ça m'embête quand même de commencer la semaine par un gros ménage. J'aimerais dans l'idéal faire tout ce que j'ai à faire, les machines, etc. Bah voilà, entre le samedi et dimanche, comme ça bah, la semaine on commence une semaine dans le propre, avec une maison bien rangée, nettoyée, etc. Donc ouais, je rigole pour rien, c'est ouf quand même, hein. Mais c'est comme Naël, ouais, tu vois, à chaque fois Ayoub me dit Naël c'est toi, parce que Naël il rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu lui dis je sais pas, chien chat, il va se mettre à rire, ouais. Mais c'est comme moi, je rigole tout le temps. Et c'est vrai que parfois je me dis c'est ouf. Naël communicatif, c'est notre tien. Oui, Naël, il a un beau sourire en face. Qu'est-ce qu'il est beau, machallah. Donc, ouais, bon, je sais plus ce que je vous disais, mais ouais, là, je vais essayer de m'organiser. J'ai aussi une petite story à faire pour la marque Hello Body. Et puis voilà, c'est comme ça que la soirée va se terminer. Petite douche, petit soin du soir, ménage sûrement ce soir. Et puis organiser ma semaine, et puis bah voilà. Bon, il est 20h30 et là on est en mode gros ménage. Ayoub est venu m'aider, donc plutôt cool. Moi j'ai nettoyé ma petite gazinière, tout ça, donc ça c'est fait. On a quasiment tout terminé. Là il nous manquera plus qu'à passer un bon coup de serpillière, mais tout est nettoyé. On a même nettoyé, pour vous dire, les fenêtres, quoi. Le truc qu'on fait que l'été. Par contre là je vais lancer une machine. Des petits paniers pour les chats, du tapis de la cuisine, du petit tapis où je mets les gamelles. Je vais faire tourner tout ça, comme ça d'ici demain tout sera sec. Et puis Cacahuète pourra retrouver son petit panier. Bon, ça y est, ménage terminé, coup de serpillière fait.
J'ai aussi étendu le linge de la machine que j'ai fait tourner ce matin. J'ai envoyé une autre machine de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et demain, pour le coup, je lancerai une machine des draps, housse de couette, etc. Parce que j'ai tout enlevé. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère que celui-ci vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis bah moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao!